C'est dans le but de sensibiliser, éduquer la population tchadienne sur la cohabitation pacifique et les coupes abusives des bois et les activités des artistes Tchad Halou Comedy ont organisé une tournée dans les provinces du Tchad. À tour de rôle, ils sont passés par toutes les provinces. Ici, c'est Roro, une petite ville située un peu à l'écart de Kiabé. Les grandes stars du cinéma tchadien sont accueillis par les bras ouverts par la population des Roro. Pendant leur séjour, les collectifs des artistes Tchad Halou ont profité de présenter une grande sketch théâtrale à l'endroit des enfants et des parents dans le cadre de l'escolarisation. Après Roro, l'équipe se déplace vers Koumra. À Koumra, une caravane de sensibilisation sur le mariage forcé des filles est menée, suivie d'une réalisation de films sur le même thème. De là, les tournées se poursuivent de Toba, Mundu, Gelendeng et Lumia. Le thème de vaccination sur la poliomyélite est partagé dans tous les quatre endroits que nous venons de citer. Cela est passé bien sûr par la caravane. La tournée continue jusqu'aux sous-préfectures de Nangigoto. Dans cette préfecture, le thème est au sujet de la désintoxication. La dernière phase de tournée au sud est reposée sur la ville de Kotori. Il fait 19h30. L'accueil est si chaleureux. La population de Kotori montre sa joie et sa satisfaction pour la présence de ces grandes stars tchadiennes, avec qui la population de Kotori n'a pas imaginé de voir ces artistes une fois devant lui, à part la télévision. Le thème est débattu sur la cohabitation pacifique. Accompagné par une musique en live, aussi sur la cohabitation pacifique. Après un temps de jour dans le sud du pays, nous nous sommes rendus à l'est du Tchad, à commencer par le Massaguet, Moïto, Bekoro, Bitkin, Mongo, Abéché, Amtiman, sans oublier Mangalmé. L'ambiance nous dit. On ne peut pas quand même dire que l'accueil n'est pas si chaleureux. À Mangalmé, deux thèmes sont au centre du sujet, à savoir la cohabitation pacifique et l'accaparation de la terre par les habitants de Mangalmé. Les jours sont passés. Après avoir fini avec Mangalmé, les activités des artistes continuent à N'Djamena. Après un an de tournée, les collectivités des artistes Tchad Halou Comedy ont organisé une compétition de trois corporations, théâtre, danse, musique, en collaboration avec la commune du 5e arrondissement, imprimerie Lalekou, ainsi que l'établissement de distribution de l'encadrement de jeunes, EDESH, organisé au palais du 15 janvier en présence des jurys. Des mois de compétition. Après cette compétition, les collectivités des artistes Tchad Halou Comedy ont aussi participé à la première et deuxième édition du festival Dari. Après cela, ils ont aussi pensé à l'histoire de la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi ils ont réalisé des courts-métrages qui parlent sur la protection de la population contre le coronavirus, puis la lutte contre ce Covid-19.